Bonjour tout le monde et bienvenue sur Irving Spanish Class. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec le pronom en and we are going to explore its use with expressions of quantity such as numbers ou souvent ou tous les jours, rarement, beaucoup, etc. As usual, we will also do some fun activities to revise and practice. C'est parti. In the previous video, we said that the pronoun en replaces direct object introduced by the articles du, de and l apostrophe if the noun starts with a vowel, de la, des and the negative de. Par exemple, est-ce que Jean mange des pâtes? The answer could be oui, il en mange. And here we use the en pronoun to avoid the repetition of the noun pâtes, which is the COD introduced by the article des. In this example, there is no clear indication about the quantity of pasta Jean ate. Now we are going to review how to use the en pronoun with expressions of quantity. And the pronoun en can be used to replace a direct object again, but now introduced by an indefinite article, un for masculine or une for feminine, a number or an expression of quantity. So the structure is en plus verb plus en une number or expression of quantity. Par exemple, est-ce que tu as une voiture? Oui, j'en ai une. And here we use the en pronoun to replace the noun une voiture. That is the COD in that question introduced by the indefinite article une. So in the answer, j'en ai une follows the structure we just highlighted, en plus verb, et in that case, and the quantity. Here it's the number one and une for feminine. Oui, j'en ai une. Similarly, est-ce que vous avez beaucoup d'examens? Non, nous n'en avons pas beaucoup. Elle a combien de frères? Elle en a deux. Est-ce que tu reçois beaucoup d'emails? Oui, j'en reçois trop. Est-ce qu'il y a de la farine dans les crêpes? Oui, il y en a 250 grammes. So as you can see, in an affirmative sentence, the number 1 is gendered. It could be une according to the gender of the noun that en replaces. Be careful. In negative sentence, un and une are not used. Par exemple, est-ce que tu as une voiture? If you reply positively, oui, j'en ai une, and une because voiture is feminine. But if you reply negatively, non, je n'en ai pas. There is no un or une after pas. Non, je n'en ai pas. In the imperative affirmative, en comes directly after the verb followed by the expression of quantity. Par exemple, est-ce que j'achète une baguette? Non, achète-en deux. And please note that, as we said in the last two videos, the S of the to form in the imperative needs to be added for the liaisons with en to occur. When the en pronoun replaces an expression introduced by quelque, the pronoun quelques-uns for masculine and quelques-unes for feminine is used. Par exemple, est-ce que tu as fait quelques exercices? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Exercice is masculine. Est-ce qu'elle a pris quelques photos? Oui, elle en a pris quelques-unes. And photo is feminine. Alright, now let's do an activity to revise and practice. All you need to do is to answer these questions using the pronoun en, the expression of quantity in brackets, and reuse the verb of the questions. Let's do the number one. Est-ce que tu as commandé une bouteille d'eau? A bottle of water. Est-ce que tu as commandé une bouteille d'eau? You need to reply positively and say that you ordered two of them. Est-ce que tu as commandé une bouteille d'eau? Oui,
the en pronoun in front of the verb, oui. So you're going to reply with the je form. Oui, j'en ai commandé. Très bien. J'en ai commandé. And then the quantity. J'en ai commandé deux. Ok, très bien. Numéro 2. Combien est-ce qu'il y a de jours dans une semaine? So here there is no indication of quantity because, well, you know, in French and in English, there are 7 days. Guess what? So, combien est-ce qu'il y a de jours dans une semaine? We're going to use the il y a expression. Il y en a, the en pronoun in front of the verb. Il y en a combien? 7, of course. Il y en a 7. Numéro 3. Est-ce qu'il a envoyé beaucoup d'emails aujourd'hui? We are going to answer negatively. Est-ce qu'il a envoyé beaucoup d'emails aujourd'hui? Non. Il n'en a pas. OK? The en pronoun sticks to the verb. It's included in the negation structure. Ne pas. Il n'en a pas envoyé beaucoup. Numéro 4. Est-ce que je prends des tickets pour le concert? You're going to answer positively and say that you are going to buy 3 of them. And we are looking for the imperative. Est-ce que je prends des tickets pour le concert? Yes, take 3. Let's say that in French. Oui, prends, that's the verb in the question. Prends-en, the en pronoun comes right after the verb in the imperative. Prends-en 3. Numéro 5. Est-ce qu'elle a une tablette? We're going to answer negatively. Non, elle n'en a pas. Yes, so negation. You don't use any expression of quantity after the negative. Non, elle n'en a pas. Numéro 6. Est-ce qu'ils ont beaucoup de patience? Oui, ils en ont beaucoup. Ok. Numéro 7. Est-ce que tu as pris quelques photos? Remember, quelques expressions. So, in the answer, we're going to use either quelques-uns ou quelques-unes. Photo is feminine, quelques-unes. Est-ce que tu as pris quelques photos? Oui, j'en ai pris quelques-unes. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Please answer this question in the comments. Est-ce que tu as regardé beaucoup de mes vidéos? And you need to use the pronoun en, of course. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu et de vous abonner. Au revoir, à plus. Ciao.